Parce qu'on va passer à un autre niveau, je pense. Ça va être mirobolesque. C'est un verbe qui n'existe pas, mais j'aime bien. Si, mirobolant, ça existe, sachez, mais mirobolesque, je pense que c'est une première. Adwim qui a posté une photo du logo de Focus Home Interactive IRL, parce qu'il est avec B4, du coup, je suppose qu'il picole bien. Un régal! Abracadabrantesque! C'est du flamand. Du coup, attends, je vais changer un peu le dashboard. On restera frustré. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, attends. Métro Russie, attends, attends. Wow. Un dernier train pour il me faut un nom à la con, il me faut un nom à la con. Stalingrad. Stalingrad. J'avais Auschwitz, mais je pense que non. Je pense que non. Voilà. Ça s'écrit comme ça, je sais pas. Alors, hop. On vire fire à tout jamais. C'est métro. La slide, je crois que c'est la. Ouais, c'est la slide Redux, mais on s'en bat les couilles, c'est la slide quoi. Hop. On va faire. Ok, voilà, c'est bon. Le dashboard est changé. Je fais tous mes réglages. Et on démarre tout ça. La vache. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment. La vache. Je vais mettre le jeu. Hop, capture de jeu. Tac. Moi j'enchaîne direct, hein. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'entremêle là. Je sais pas. J'adore cette musique. J'adore. Entracte. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Nick? Ouais, pour aller voir un coup là. C'est le mot que tu cherchais, je sais plus. Je sais même plus ce que je cherchais, Nick. Mais la grosse foreuse qui est toujours au taquet. Donc voilà, on est dans l'un des univers de post-apo que je kiffe le plus, je pense. Vu que j'adore. Oh, j'avais pas fait attention à ça. Ouais, c'est vraiment un des métros que. Le Last Light, j'y ai pas beaucoup joué. J'y ai joué une fois et je l'avais bien aimé, sachez. Mais je l'avais moins kiffé que le premier. Mais je l'avais quand même bien aimé. Mais disons qu'au lieu d'être pour moi dans ma tête à 18 sur 20, il est à. Allez, à 15, donc ça reste une très bonne note, quoi. J'adore l'univers, j'ai lu le bouquin, faudrait peut-être que je lise le nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Survie. Avec sa pénurie de munitions et de filtres, ses combats plus dangereux que jamais. La phase d'infiltration plus difficile, le mode survie de Metro 2033 offre à un joueur une plongée dans l'horreur, combat acharné, rationnement et ressources garanties. Donc ça non. Mode spartiate de Metro la série réduit la difficulté des combats et des phases d'infiltration tout en augmentant la qualité de la quantité de munitions, de filtres et autres ressources. Il est idéal pour les joueurs. Préférant un style de jeu nerveux en faisant part belle à l'action. Alors les gars, attends. Je choisis quoi? Survie ou spartiate? Faut choisir. Attends, j'ai fait une annonce comme quoi on est encore j'ai repris sur Métro. Il y en a qui sont peut-être plus intéressés par Métro. Hop. 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 On reprend sur. On reprend le métro. Voilà. Quoi, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je prends survie ou spartiate? Parce que moi, je veux bien faire spartiate, mais ça va pas me foutre dans la merde. Alors que survie, je pense que ça risque de me foutre dans la merde.
Et je pense qu'en survie, je l'ai jamais testé. Et je pense que, me connaissant et connaissant mon côté très économiste, je pense que ça va aller vite, ouais. Je pense que ça va aller. Quelle est votre profession? Ah où? Ah, je sais pas, mec. Je suis assez tenté par Spartiate, mais survie, il me titille la gencive, tu vois. Il me fait mangez-moi. Tu dirais quoi, toi, la grosse foreuse? Allez, c'est toi qui décide. Tu dirais quoi? Tout repose sur toi, la grosse foreuse. Fais-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en attendant? Boisson gazeuse aromatisée à base de taurine avec sucre et édulcorant. Teneur élevée en caféine. Et B. Bon, allez, survie, mais t'es PD alors. Ah, bah allez, survie. Ouais, attends. Alors. Recommandé pour les joueurs réguliers des jeux de tir à la vue subjective, il vous faudra veiller à faire attention à les munitions, au filtre. Donc les mecs qui font déjà en ranger difficile, en survie, mec, ils doivent en chier leur... En mode ranger difficile, l'interface du joueur et les indices sont complètement désactivés pour l'expérience du métro, une immersion totale et une difficulté augmentée partout. C'est un challenge ultime du métro, ranger. Interface est limitée aux indices désactivés. Pour accroître l'immersion, vos ennemis font plus de dégâts, mais vous aussi. Les combats. Le combat est tendu, mais la tactique est brutale. Les ressources sont rares, chaque balle compte, ok. Difficile. Recommandé pour les joueurs de jeux de tir en vue expérimentée, chaque rencontre représente un sérieux challenge pour vos compétences tactiques. Allez, vas-y, on fait comme ça. Immersion totale, tu veux que je le fasse en ranger? Mais t'es fou toi, mais t'es complètement dingue toi. Juste ranger. Eh mais mec, je vais rager, mec. Donc si j'explose, ce sera de ta faute, hein, la grosse foreuse. Bon allez, en ranger. Hein. Et vous sûr de vouloir écraser la sauvegarde présent? Ben pas le choix. Hein. C'est cool parce que je me souviens, je sais qu'il y a la guerre à un moment avec les communistes et il y a le petit extraterrestre qu'on retrouve. Mais je l'ai fait qu'une fois, moi, là. Les sombres sont venues bien plus tard. Tais-toi. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'il pouvait déchiqueter des hommes à main nue. Joseph. Tout était fou. Ougadez ! Il dit ça dans mes trois endroits. Ougadez ! La vérité est plus terrible encore. Donc ouais, dans le livre, donc maintenant que je me souviens un peu grâce au livre audio, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont peut-être arrivés, s'il y en a qui veulent le livre audio, dites-le moi parce que je l'ai acheté moi, donc et je l'ai en MP3, donc je peux vous l'envoyer. Il est à la fin du livre, mais il est tellement déprimante. Et ce qui en fait, c'est vraiment genre quoi, les 10 dernières pages, juste avant l'explosion. Où tu te rends compte, bah, si y en a qui n'ont pas suivi l'histoire de Metro 2033, là c'est spoilé de ouf, mais allez vous faire enculer, le jeu est sorti il y a 10 ans. Même plus, je crois, il est sorti quoi, 2009, 2010, je sais plus. C'est vraiment à la toute fin que tu te rends compte que les Noirs, c'est juste l'Homo Novus, donc le nouveau type de l'humanité qui veut aider l'ancien type à aller retourner à la surface. Avant la guerre. Et que c'est des mecs sympas et pas les enculés, tu vois. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Oh putain. Les Noirs. Ouais, alors. Ils s'appellent les Noirs, ouais. Mais c'est pas les Noirs. Enfin, c'est pas nos Noirs. C'est d'autres Noirs. Enfin. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, ils ne se tuent pas qu'avec une seule balle.
Genre, ils. Ils sont. C'est ça qui traumatisait la plupart des gars. Je crois que je viens de buter mes propres types en fait. Hop. Ah non, non. Ouais, mais tu m'as compris. Mais. Je suis complètement en train de péter un câble. Je vais être un peu fort dans mes oreillettes. Et tu vois, ils ont essayé de nous aider et on était le seul contact. Hop, tu dans le nez? Non. Je vous conseille vraiment le livre. Hein. Donc ceux qui veulent le livre audio, ils m'appellent. Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Oh. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres. Et j'en ai vu un encore en vie. Ouais, contrairement au nôtre, il colle plusieurs balles. Avant que tu lances les missiles contre eux. Et bizarrement, similairement au nôtre, oui, ou pareillement au nôtre, les blancs, ils aiment pas beaucoup. Tu dois absolument lui parler, Arthur. Bonsoir, j'aimerais un sandwich au noir avec un supplément fromage. On va les appeler autrement. On va les appeler les Homo Novus parce que sinon ça va pas aller. On va se faire ban, suspendre la chaîne sous 12 générations, mon gars. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. Ah ouais, je me prépare si je veux. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû. Et moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'ils ont retranscrit ce côté. Dans le livre, il explique bien. C'est en fait, c'est le côté. Comment dire? Où le métro ne marche que grâce. Les informations ne circulent que grâce aux ragots, en fait. C'est tous des grosses mégères. Des grosses mégères Saras qui racontent des histoires, des conneries et tout ça, grâce aux colporteurs et aux gars qui arrivent à sortir et tout. Et dans le livre, c'est il y a toujours des moments des passages où tu sais tu rencontres deux inconnus qui vont te raconter que ouais à la station Tanguieskaya il y a des zombies, qu'à la station c'est les stations ici je crois à la station Tanguieskaya c'est la peste je crois il y a une épidémie de peste que bref et tout ça et ça ils l'ont bien retranscrit dans le jeu où, du fait que quand tu. Oh! Ça groove un max? Oh! Ça fait. C'est des accords, non? Et vous savez quoi? C'est une petite information que je vous donne. J'ai appris, enfin, c'est un petit truc que je vous dis. Je suis nul en solfège, je connais pas du tout le solfège. Enfin, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est tout ce que je sais dire. Je sais même pas si j'ai une oreille absolue ou rien parce que j'ai jamais appris les notes donc je sais rien. Et j'ai appris qu'en allemand, c'est les notes c'est pas les mêmes. C'est genre l'alphabet allemand c'est A, H et tout ça. Oh les PD. Tu vois les petits ragots comme ça. Et moi je passais vraiment des heures. T'es à côté genre. Salut. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ouais, c'est moi. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer 2 ans comme cadet avant et qu'il ouais, accepte. Et ouais, loser. Je te t-back, je me prends mon cul. Et D6 les a sauvés? Non. Ils ont pas pu arriver à temps. Et tu vois, t'as toujours une petite scène de vie. Tu vois, lui, il prépare avec son stuff, il est trop stylé. Lui, il a perdu sa jambe, tu vois. C'était un vrai coffre au trésor. Oh, j'adore ce jeu, putain. Oh, il y a des reflets dans le miroir. Regardez-moi ces deux. Minable. Pas étonnant que le colonel ait doublé l'entraînement. T'as vu ta gueule? Tu. Dans ta gueule. Les êtres foncés. Ma gueule. Et les gars. Ils sont morts. Les marais, c'est rien. Suffit de chercher les balises et les. Ça dépend à Paris, les marais, moi j'y vais pas. Salut. Salut, Artyom. Oui. Bienvenue à l'arsenal. Merci. Alors que t'es un ranger maintenant. Oh. On va qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Je bois pas un verre. Bon, hey, mais c'est ce qu'il y a dur. Mec, on peut pas faire. Il est là depuis tout ce temps. Ça fait 20 ans. Et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Tu sais que j'y étais avant-hier. Tu
Ouais, ah, d'accord, donc j'ai même pas la touche E pour m'expliquer ce que je dois faire. Oh mec, ça va être chaud. Mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Mediplaques. Allez. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme balles. Mission classique pour faire plus de dégâts. 10 balles. Ça peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes. Je reviens à quelle vidéo standard. Tu vas sur Wiki pour changer le prénom de Walker Texas Ranger. Enfin, sur quel jeu? Passons aux choses sérieuses. On va la vidéo où il va sur le Wiki pour changer le nom de Walker Texas Ranger. Je me souviens pas de celle-là. Oh, mais ça, moi, ça va être AK, hein. Attends. Et mec, attends. Ah, voilà. Je pense que ça va être AK et fusil à pompe. C'est quoi celle-là? Version plus courte de la traditionnelle Kalash. À la crosse pliable, offre une cadence de tir très élevée, mais ni la portée ni la précision. Donc ça c'est non, vu qu'on est un peu chaud. Mitrailleuse légère, avant-guerre, précise et dotée d'une longue portée. Ouais, ok, Kalash normal, fusil d'assaut traditionnel d'avant-guerre. Même s'il est largement répandu, c'est très précis dans le métro en raison de sa fiabilité et ses performances. Ok, fabriqué dans le métro par des armuriers qualifiés d'extrême précision. Précis et puissant, arme parfaite de longue distance, ouais. Je pense qu'on va miser sur la Kalash. Cadence de tir, précision, tout ça, je pense que ça va être bon et je vais prendre ça. Vu qu'on va être... ça va être chaud. Un peu en permanence. À cause du fait qu'on soit des. Que je suis une Brel, un petit peu comme Jacques. Jacques Brel. Je suis vraiment une grosse quiche. Pour tout ce qui est infiltration, surtout pour les jeux de fils de pute. Oh, il est puissant en plus. C'est tout? Oh, j'ai truqué l'infini. Hop. Hop. Il vient. Take. 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 J'adore ce truc. C'est porte de soirée, toi. Elle a pas tenu ma correction. Oh, Rufian. Ok, D6 a été trouvé, les mecs. Vraie chose qu'il veut, le mec. Tu connais pas trop Top. Attends, je connais pas Top l'univers de Métro, hein. Mais il me semble que c'est post-apo. Que tu... Attends. Et que tout... Que tout veut un peu te niquer ta race à l'extérieur. C'est pas un truc à la con à installer le stand de tir. En gros, en fait... là, c'est des rangers. Les mecs, ils ont... ils ont trouvé une base militaire. Enfin, mec, ça va être compliqué de te raconter toute l'histoire, hein, là, depuis le début. Attends, on va tester la Kalachnikov. Moins puissante, mais tout aussi cool. Hop. Vas-y, fais voir. À la tête. Ouais, la tête, elle est bien aussi. C'est assez compliqué, en fait. L'univers métro, donc ça se passe 20 ans après, donc en 2033 du coup, 2033, 2034, 2035. 20 ans après les explosions atomiques qui ont détruit Moscou et on suppose le reste de la Russie, mais on n'en sait pas plus, quoi. Et eux, ils sont dans le métro, du coup, non, parce que c'est les seuls endroits où ils étaient protégés. Et ils sont plus ou moins 20-30 000 dans le métro à essayer de survivre dans cet enfer, quoi. Et voilà, quoi. Pas grand chose. Ah oui. Et Artyom, il a voulu sauver sa station parce que sa station était attaquée. C'était la seule station attaquée par les fameux Homo Novus. Homo Novus qui en fait traumatise les gars parce qu'en fait ils arrivent et il les blesse sans les toucher. Bref, c'est une menace pour le métro et on sait pas ce que c'est. Du coup, il va faire les trois quarts du métro pour savoir c'est quoi cette merde et tout. Et il va trouver eux, les Spartiates. Il va devenir l'un d'eux et il va trouver cette station qui est une station de métro secrète appelée D6, qui est une station sous le Kremlin militaire.
Et vu que les Spartiates sont des gros malades super stylés. Hey, il paraît que Lestitsky a fait quelque chose. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Lestitsky était dans le labo. Quand Harlem est arrivé, la porte était ouverte et le labo est passé. Lestitsky avait disparu. Lestitsky est parti chez les cocos. Ouh, j'ai spoilé. Les armes chimiques. Et mais du coup en fait les Spartiates t'inquiète pas qu'ils ont les moyens de au niveau munitions, que ce soit au niveau munitions, que ce soit au niveau armes, équipement et personnel, ils ont ce qu'il faut pour faire des stands de tir. T'inquiète pas. Moi j'aurais foutu un petit peu d'anti-rouillage hein, parce que franchement c'est n'importe quoi. Mais bon, je laisse un peu parler, hein. C'est quand même pas la narration et l'histoire est assez cool. Donc la guerre avec les fachos et les communistes continue. Et pourquoi? J'en sais que dalle. Qu'est-ce qu'ils foutent à la surface d'abord? Ils sortaient jamais aussi nombreux avant. Le QG pense qu'ils essaient de s'infiltrer. J'adore les petites histoires comme ça. Vous pouvez pas garder le secret pour toujours. Maintenant, ils fantasment tous sur D6. On dirait qu'on va devoir partager. Avec des loups à absolument famille. Pas, moi je partage pas ça. Ils vont te partager toi, mon pote. Ils vont se bouffer entre eux. Ils ont jamais touché à l'ordre jusqu'à présent. Parce que l'ordre était comme un hérisson. Il n'y a pas de viande dessus, ouais. Et c'est trop difficile à choper. Donc oui, les Spartiates font partie d'une organisation dans le métro qui s'appelle l'Ordre. Je sais pas si vous voyez la carte. Pour ceux qui connaissent pas, il y a trois stations rassemblées qui sont le plus proche de moi là. Enfin non, à l'intérieur du cercle, sur la ligne violette, c'est la police. C'est une station, une énorme station qui s'appelle police, la plus grosse station du métro. Et qui est une station ville en fait, où genre, ils ont des technologies de ouf, mais c'est une ville dans le métro. Et c'est tenu par l'ordre qui est divisé en deux factions, les militaires et les... Attends, comment ils s'appellent? Les militaires et les... Ah, je sais plus quoi, c'est un nom bien dans le livre, mais je sais plus comment ils s'appellent. Qui eux en fait, c'est donc les militaires gèrent tout ce qui est armée et tout ça, et les autres le savoir. Donc ils sont très portés sur les livres et normalement ils ont même un tatouage sur la tempe. Je sais pas s'ils l'ont fait dans le jeu, il me semble pas, je l'ai jamais remarqué. Les militaires ont un aigle, les autres ont un livre tatoué sur la tempe. En gros le pouvoir change de main assez souvent quand les votes se font. Parce que les votes se font assez souvent pour changer de pouvoir. Et quand c'est la merde, c'est les militaires qui sont votés. Quand c'est pas trop la merde, quand ça va, c'est les bibliothécaires qui sont votés. Mais le plus souvent, c'est les militaires. Et les Spartiates sont l'unité d'élite, si tu veux, de l'ordre. Et nous, on leur fait pas. La douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulait dire qu'on était incompatibles. Oh, c'est trop stupide. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les sombres. Oui, putain, on avait des PC, quoi. NKH, je sais. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Il est pas mort. Et il t'a appris ceci. Il est pas mort. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. Il est piraté. C'est la loi de l'illusion. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. Ok, tiens. C'est yo. Parfait. Artyom, et toi, Cam, vous avez quelque chose à signaler? Attends, c'est oui, Melnik, mon gars, il a grave changé par rapport à Exodus. J'ai je m'en souvenais plus. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Et il a toujours chance, ses jambes. Oui. Par chance, Cam, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Moi, je pense pas, moi. Laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Ouais, on peut voir ici. Les fachos veulent investir la hanse, donc le grand cercle. Et ils sont déjà en combat avec les rouges. C'est un meurtre. Arrêtez-le! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. Je suis là. De dire adieu à tes cauchemars. Je m'en fous, hein.
Oublie Cap. Moi j'ai un lit. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. Plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens donc, mon lapin. Artyom, si c'est vrai que les sombres te repèrent, attends, faire sortir de sa cachette. Donc mon interface c'est ça. Et mon gars, ça va être chaud de ouf. Heureusement je connais les touches. Dans ton esprit, où Anna aura deux. Et n'oublie pas de le finir d'un tir dans la tête. Attends, c'est quoi? Mais carnet. Sorti un. Oh, je vais pas les lire. Elle, on la baise. Oui, c'est même notre femme. Ça va même être notre femme, mais on va faire un gosse. Donc oui, on la baise. Tu crois à ces conneries de paix avec les sombres? J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même pour voir le missile s'abattre et les cramer dans leur nid. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins? J'aimerais s'accoupler avec eux. Par contre, toi, t'es moins chiante dans Exodus. Tu parles beaucoup trop, là. Putain, on marche pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Donc ouais, ça c'est la seule rame du métro qui marche dans le métro du coup. Enfin dans le nouveau métro quand même. Enfin t'as compris quoi. Alors déjà tu vas pas du tout m'appeler mon petit lapin. Parce que c'est, ça va vraiment mal se mettre. Bon, on a assez campé ici. On y va. C'est comment ma maman elle m'appelle. Elle m'appelle petit loup bleu. Il y a un an. Ah non, c'est attends. Non, ma maman c'est mon petit lapin. Mon frère c'est mon petit canard et mon père c'est petit loup bleu. Transformer la chair en cendres. Il y a faire fondre le métal et le verre. Ça c'est vient du livre. Rien ni personne n'aurait pu survivre à cet enfer. Et pourtant, Kani a trouvé un sombre. Ma mission est maintenant de l'éliminer. De finir ce que j'ai commencé. Il a l'air plus propre que ceux en vrai. De quoi? Ah, le métro, ok, ouais. Enfin, en même temps, tu connais le métro de Paris, excuse-moi, mais chez moi, ils sont plus propres que ça, les métros. Oh non, pas, tellement pas, en fait. Putain, mec, il y a des tapis. Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Maintenant, ce monorail a l'air magique, pas vrai? Nos gamins sauront pas les faire fonctionner. Et leurs enfants pensent... Ah non, mais t'es belge, je suis con, la fois grosse forêt, je veux... Baraki QI, c'est mignon. Du con. Oui, mais j'avais oublié, excuse-moi, je retiens pas tous les belges du monde. C'est avec un K, Baraki. Hein. Je vais essayer d'alimenter le système et de mettre les lumières. Il doit y avoir un système. Bon, ben ça commence direct, je te la fous dans le cul. Je veux des tapis dans le métro. Mais t'es fou, toi t'auras des taches de merde sur ton tapis au bout de deux jours. Attends. C'est quoi? Mais attends, faut que je me souvienne. Touche pour recharger. Attends. Attends. C'est où les options? Référence? Ah oui, voilà, c'est ça. Commande. Clavier. Mouvement. Inventaire. Inventaire, je sais pas. Medipack, c'est A. Ok, vision nocturne. N, temps Y. Ça, c'est bon à savoir. Masque à gaz G. Filtre T. Lumière F. Ok. Secondaire C. Recharger R. Corps à corps V. Utiliser, interagir E. Ok. Mouvement. Ok. Ok. Ils vont s'humidifier de pisse. Ça me semble pas une bonne idée, ouais, de ouf. Plus du vomi, ah ouais, ça, en plus le vomi séché, mec, ça part pas. Oh non, ça c'est dégueulasse. Les gens qui se sont entassés pour crever, enfin, franchement, c'est dégueulasse. C'est bon, on y va. Mais j'ai plus de limite. Limite, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Okay. La carte indique un point d'entrée de collecteur droit devant.
Collecteur d'échappement? Attends. Avance. Mais dis pas que je tire avec mes balles. Attends, je discute. Allez, entre. Ta gueule. De la poussière. Donc là, je tire avec mes balles réelles. Là, je tire pas avec mes balles. Je tire avec mes balles à la con. Ok. Ok, donc ok. Ça marche. Prendre des vitamines parce que t'es blanc comme un cul. Voilà. Il y a un cul de sac à gauche. Eh ben, moi, je vais à gauche. Oh, mais c'est horrible ici, mec. Oh là là. Oh, on dirait mon quartier. Oh, j'ai quand même mon quartier, il est propre, il est tout beau, tout neuf, avec des petits vieux riches, donc... Enfin, riches. Ce truc est rapide. Moi plus. Pas des réflexes, pas des murs. Super. L'échelle. Faut encore marcher un peu. Mais vous avez eu ce Master Shooter? Est-ce que j'ai pas droit à un petit Master Shooter dans le chat, moi? Les gars, c'est quoi le briquet? Référence, commande, clavier, inventaire, change de fil. Oh, on va se calmer. Attends, faut faire ça. Non, ça. Voilà. Voilà, ça j'adore. Et hop, un petit bouquin à récupérer, c'est parfait. Et hop, des munitions. J'ai vu des munitions, qu'est-ce que ça? Ah, ok, tu peux prendre les munitions. Ok. Ça a l'air fameux. Attends. Ça me rappelle la première année où j'ai été à Paris. Au fond du drame, j'ai vu Sam, mais sur 4 mètres. Sur toute la surface, le sol, les fenêtres et les sièges étaient tapissés de vomi. Le train était bondé. On était limite full 2 mètres avant la zone. Mais mec, mais c'est quoi cette ville? Mets ton masque. Ah oui. Putain mec, mais Paris c'est n'importe quoi. Là, c'est vrai, le vendredi soir, dans le dernier métro, généralement, ouais, t'as des gens qui germent sur le sol à Bruxelles, mais ils sont très vite lavés, c'est-à-dire que le, il y a toujours un mec dans le métro qui va laver, mais enfin un mec, qui, c'est son boulot, quoi, c'est pas un mec par charité. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui va laver, mais c'est vrai que bon, y a, ça m'est arrivé 3-4 fois de voir des meufs vomir sur leur siège. Ou sur des gens aussi, c'est déjà arrivé. Et bah, la neige est en train de fondre. C'était une en heure de pointe. Putain, en heure de pointe, c'est chaud. Ouais, j'ai vu, en heure de pointe, c'est chaud. Mais en fait, à Paris, c'est plus ou moins tout le temps l'heure de pointe. Parce que quand je vais en bus, à Nantes, je suis obligé de passer par Paris, tu vois. Et quand on arrive sur le périph de Paris, mec, on arrive vers 2-3 heures du mat, tu vois. Chez moi, le périph de Bruxelles, donc, qui s'appelle le Ring, ça faisait comme ça chez nous. À 2-3 heures du mat, t'as quoi, une, deux, trois voitures, tu sais, qui passent toutes les 10 minutes, tu vois, enfin toutes les minutes. C'est pas énorme. Mec, à 2 heures du mat, 3 heures du mat à Paris, il y a des embouteillages. Mais c'est affolant, quoi. Avance et cherche la créature. Je crois que si les sombres t'apprécient tellement, celui-ci te sentira ou fera ce qu'il a à faire. Vent de merde. Essaie de rester à découvert pour que je te couvre. Oh, c'est stylé, lourd. Putain, j'ai de la bouche sur mon casque. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas. Je le ferai. Bon, allez. Putain, on te l'a éclaté, le jardin botanique. Allez. En route. En route. Ouais. Et par contre, ouais, ça... Ah là là. De terre, désolé. Et on vraiment cramé quoi le truc. Oh là. Tiens, ça me fait penser, merci MTE. parce que grâce à toi, ça m'a. On a parlé de Paris et de Nantes. Je pensais que je vais acheter mes billets pendant le mois.
Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Je crois que je ne me suis pas fait toucher, je crois. Non, je ne me suis pas fait toucher. C'est pas terminé. Encore 3. C'est où? Ah. Eh, elle est cool cette arme, mec. Regarde, il y en a d'autres dans les roseaux. Ouais. Hop, loupé, loupé, reloupé. On va retourner à la calache, hein. S'ils sont trop pêches, je passe à la calache. Est-ce que ça les one shot pour le moment? Et Master Shooter ou pas Master Shooter? J'ai même pas été touché. Comment tu vas? Bah, comme un lundi. Tout va bien? Et Artyom? Par contre, je sais pas combien de balles j'ai, mec. Ça me stresse. Un lapin, après tout. Il y a quelque chose au bord du cratère. Un arbre me bloque la vue. Master Shooter, allez, cadeau. Eh, mec, mais t'es trop un ange, toi. T'es trop gentil. C'est quoi, je t'adore la faute. Ça se voit que tu viens de Charleroi parce que t'as un cœur gros comme ça, quoi. On réclame pas les Master Shooter, bien sûr que si, mec. Attends, Lucien, il arrête pas de faire ça, on le gueule pas, ça va. Genre, faites péter les Master Shooter. Bonjour, monsieur. Ah. Merci beaucoup, je vous laisse. C'est dégueulasse, c'est tout. Tiens, dans le cul. Regarde, tu sens sur la visière, du coup. C'est pas pour ça qu'on lui donne. Ok, là, on est en zone réduite. Tout de suite, on passe. On se détend. Oh, oh, oh. Moi je le trouve super mignon ce sombre. Merde, il est vif. Comment il fait ça? Surprends-le par la gauche. Il est toujours là. Il s'en joue. Et merde. Ah, ah, c'est dégueulasse. Ouais, je le poursuis. Oh, oh non, il est où? Oh. Petit singe, viens ici. Ici. Ici, ah putain, t'es mort! À droite! À gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, et puis là! Il est au-dessus de toi! Attention! Touché! Salut! Mais je veux pas te faire de mal! Il est trop mignon! Ouais, même comme ça, je le trouve mignon en fait. Le fait de savoir que c'est un gosse, je pense. Alors c'est un très vite résumé de Metro 2033. Ça se mange. Je sais pas. Je pense qu'en blanquette ça va être un peu sec. Ou un peu trop gras. Peut-être... qu'est-ce qui se bouffe gras? Peut-être que si tu le laisses un petit peu dans la poêle, tu mets rien dans la poêle, tu mets pas de beurre, tu mets pas d'huile, tu laisses un peu mijoter dans la poêle, comme ça le gras il fond, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de correct. Et tu sers ça quoi avec, avec quoi? C'est les nazis ça. Ah voilà, c'est les nazis ça. Il est encore chaud. Guten Morgen! D'ailleurs, dans le livre, les nazis, c'est genre des mecs, ils s'appellent juste comme ça parce que ils sont contre les Romanichels et les gitans, je crois. Mais ce n'était qu'un enfant. Et du coup, ils ont aucune. Genre, ils font pas le salut nazi, je pense. Ils disent pas Heil Hitler ou des trucs comme ça, et enfin je crois, hein, je suis pas sûr là, les informations sont pas correctes. Ça c'était dégueulasse ces petites araignées qui sortent de la bouche. On a attrapé un mutant près d'eux, un monstre de la taille d'un enfant. Il a aussi été livré au Reich. Je verrai ça plus tard, et celui-là? Mutation suspectée. Non, non, je suis normal,
Vous voyez deux bras, deux jambes, 10 doigts. Vous comprenez pas? Je suis un citoyen de... Putain de Morgan. Exactement, c'est du Captain Morgan sans gluten. Le gluten... Mec, c'est une idée de dingue. Viens, on propose ça à Captain Morgan, de faire du Captain Morgan sans gluten, et tu l'appelles ça Gluten Morgan. Vous êtes une abomination. C'est scientifique. C'est un scandale! Je vous ai dit de ne pas bouger! C'est honteux! Voyons, 318 mm par... 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations! Vous êtes un mutant! Non! Non! Oh, oh, oh. Dans le vide ordure, une petite question. C'était quoi ta mission dans les jardins? Il est assez rare. Foutre, sale facho. Oh oui, il y a ça aussi, c'est pas mal. Comptez jusqu'à 3. 3. Gloire à la ligne rouge. 2. Vive le camarade Moskvin. 3. Putain, je vais filmer. Je vais parler, mais loin des autres, d'accord? Ils vont me tuer s'ils s'entendent, d'accord? Amenez celui-là à la deuxième unité. En général, le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre. Mais voilà qu'on chope des rouges et un monstre. Tous dans le même panier. Ça me plaît pas. Alors parle. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets une claque dans la tête. Tuez l'officier! Oh, c'est con de tirer sur tout le monde, du coup, quand tu tires partout et moi personne s'inquiète. Loser de nazi. Même si j'avoue, ton petit logo il est super joli. Tiens, prends le couteau. Alors, et le logo des nazis, c'est pas un gros R pour Reich, c'est un tri, enfin une croix gammée à trois branches pour les trois stations du Reich. Et ils disent dans le livre pour chaque station que le Reich va obtenir, ils rajouteront une branche. Donc, génial, un verrou télécommandé. Une chose est sûre, notre seule chance de sortir de là vivant. Toi t'es une salope. Toi. Pourquoi t'as une calache et pas moi? Pourquoi t'as une calache à la Kadhafi et moi j'ai rien? Moi je me cache, moi. Genre mon fils de ouf, moi. Allez, ouais. Fichons le camp d'ici. Et après on pourra partir chacun de notre côté. Il y a encore le doubleur de Mo Simpson. J'ai... Je suis pas fan des Simpsons. Miam miam miam, les frites du cul. Voilà les tuyaux, voici leur plan de secours. En cas d'émeute ou d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géant. Oh là là, quoi. C'est malin, hein. C'est les Japonais qui avaient fait ça. L'unité 700, je sais pas quoi. On ira dès que le monde charge sera parti. On y va. Bordel, c'est pas vrai. J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici. Et B. Voir de mes propres yeux. Saloperie. Il y a un tunnel de l'autre côté. Bon, je mène et tu suis. Allez. Allez, fais pas de bruit ou ils vont gazer tout le monde. Ouais, mais je peux avoir ta calage quand même. Voyons un peu ça. Filer des armes, c'est moi le héros, bordel de merde. Reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Ma meilleure amie, je t'aime toujours pour... Oh, c'est chaud, c'est chaud. Et mon gars, c'était chaud. Okay, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Voyons voir. Alors... Une grille. Ouais, une grille. Merde, mais dans quoi? Ça bouge pas d'un poil. Ouais, non, celle-là, bon, je vous la laisse. On va passer par ici, c'est certain. Ah, je pensais que c'était un petit carnet. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Et si... Hey, oh, aide-moi un peu, tu veux? Ouais, j'arrive. Attends, je m'amuse. Oh, attends. Bien. Hey, qu'est-ce que tu fiches? On est pressé. Je suis en train de piller les corps, tu me laisses piller. Excuse-moi, toi t'es une calistique, enfin je devrais te piller les corps. Oh là. Oh le mec. Allez. Oui, j'arrive. Oh là là, oh, la précieuse. Mec, ça va être super humide, ça va être trop horrible pour les bronches. Aide-moi à monter sur l'échelle. Ou même pour les muqueuses, enfin genre c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est toi qui fais le gros du jeu, t'as du Gelsvigov, c'est bon. Oh et moi. Oh. Oh.
enculé d'Oliskov. Monte par ici. Chut. Voyons voir. Bon, écoute. Dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement. D'accord ? Ok. Coucou B4 ! Tiens, Bobo qui joue au meilleur jeu. Et ouais, j'ai pensé à toi. Et d'ailleurs, notre ami B4 a fait des streams dessus qui sont très cool, qui étaient fort sympathiques. Et bah, moi, ça va super, B4, et toi ? Ça va même. Ça groove un max, j'ai envie de dire. Salut les gars, ça va ? Suis-moi. Merci, mon popo. Bah, je t'en prie. Alors, ça a été une petite soirée avec l'autre tâche. Bon, tu prends celui la de souris pour les celui de gauche. Je vais m'occuper et toi tu descends le tien. Verstehen, vas-y, mais pas de précipitation. Comment ça je descends bien? J'ai pas d'arme. J'ai une idée. Baisse-toi, sinon on va te voir. Attends. Popo, une petite souris. Souris de la taille d'un lion, c'est voyant. Hein. C'est toi qui as fait du bruit. Ah, j'ai peut-être été un peu rapide. Non, c'est pas moi, je vous le jure. D'accord. Regardez un peu ça. Prisonniers, hop, tac. Descendez-en le plus possible. Ouais, c'était cool. Ça a été pas trop agressif. Tu as acheté des bouts de viande quand il était un peu énervé, le Hadwim. C'est comme ça qu'il faut faire. Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. S'il vous plaît. Artyom, qu'est-ce que tu fais? Ah, ah, ah. Avance, je te rejoins. Bon, allez. Ça va? Partez. Là, vous êtes. S'il déclenche l'alarme, on est foutus. On est tous foutus. Vous allez juste réussir à tous nous faire tuer. Celui qui a dit ça, il est pédé. Parce que moi, je suis libre. C'est bon, dévisse l'ampoule. Vas-y, désactive toutes les lampes. J'ai laissé seul avec le marketing. Il me l'a tous retourné, mais sinon ça va. Putain, là, il est pauvre. J'espère que ça va aller, poteau, parce que... Regarde-moi, j'ai été retourné par Adum. Enfin, attends. Alors, je sais que dit comme ça, bon... Ça peut paraître... Hey, mon gars, ouvrez les cellules. Il y a un panneau dans la salle des gardes. Dans, ouais. la salle des gardes, ouais, t'as 100 balles. Je vois que vous êtes pas là pour chômer. Mais essayez d'être plus discret. Prochain qui me parle, je le tue. Donc je disais la dernière fois à Dwim, moi il m'a parlé, je suis devenu nazi quoi. Oh, des rats. Il chope l'ampoule quand. Mais moi je me suis. Tu sais qu'une fois j'ai fait ça et je me suis cramé les doigts, je suis d'accord avec toi, Nicky. C'est vraiment irréaliste ce jeu. C'est trop pas réel. Par contre, moi je rentre dans un truc comme ça, je tombe. Montre-moi les balles. Ok, écoute, je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharfuhrer. J'ai pu me faire 200 balles. Je veux la moitié. Oh, l'Oberscharfuhrer. Eh ben, notre garde est terminée. Alors vous n'avez plus rien à faire ici. Retournez au campement. Oui, Herr Oberscharfuhrer. Et là, tu sais, t'entends Artyom dans les conduits. Ils ont piqué les balles. Hey, ils t'ont piqué tes balles. Où il a mangé, lui? Où? Oh, les couteaux de lancer, c'est bon, ça. Et mec, j'espère qu'ils sont tous vaccinés contre le tétanos dans ce putain de métro, parce que ça va pas être facile tous les jours de marcher sur... sur ce genre de choses. Hop, on retire. Excuse-moi, je te les emprunte. Du coup, c'est... Attends. C'est ça, ouais. Et couteau lancé, c'est quel... Attends. Référence. Commande, clavier, arme. Visée, alternée. Secondaire, corps à corps. Arme 1, arme 2, arme 3. Recharge. C'est quoi pour envoyer mes... T'es sur le... Ouais, c'est la Redux. C'est la Redux, ouais. C'est le... Oh la vache, c'est dégueu, quand même.
sais qu'ils font, ils font penser au Wolverine dans Fable 1. T'énerve pas, toi. Je sais pas, mais ça me ferait chier. Allez. Allez, viens. Allez, viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Alors viens, sonner le tocsin. Hop, on prend ses balles. Bon, c'est 1 et 2, 1, j'ai envie de dire. Mais comment on lance les couteaux de lancer? Attends. Ouais, donc ça c'est ok. Mais c'est pas ça? C'est pas comme ça? J'ai encore envie de me les refaire. Mais en fait, je vais être honnête, celui-là je l'ai fait qu'une fois et dans mes souvenirs il m'avait plu. Moins que le 1, mais il m'avait beaucoup plu. Mais dans mes souvenirs, je vais peut-être changer. Parce que je l'ai fait à la sortie et c'était que à la sortie que je l'ai fait, je pense. Clavier. Peut-être sous. Non. Je vais peut-être baisser un peu la sensibilité pour vous. Arme. Visée. Recharge seconde. Ah, c'est. C'est. Et mon gars, ça va être chaud sans. Oh, avec sans interface. Je croyais qu'on était mal. Non, il n'y a que dalle. Faut le casser si vous entendez. Je passe, j'ai un mal de chien. J'aime tellement ce. Ouais. Vous êtes doués. Tous les métros sont ultra fun. Et. Ils sont très cool à jouer, ils sont très cool à écouter dans l'ambiance. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais ma pub, mon gars, mais à tout le monde. Laisse tomber, je suis vraiment le crevard de base. Si tu veux, B4, vu que t'es un peu fan de l'univers, j'ai acheté le livre audio du premier bouquin. Donc si ça t'intéresse, j'ai 21 heures de livre audio... tranquillou pour toi, si ça t'intéresse. Attends, mais y avait pas le poste de garde là, hein. Ouvrez les cellules, d'accord. Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. Là-haut, dans la salle de garde, donc ça va être en haut. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Dégage. De ouf, en français? Ouais, c'est en français. Je l'ai acheté 25 balles sur Audiolib. Je l'ai fini la semaine dernière, et franchement, il est très cool. J'avais déjà lu le bouquin, mais là, vu que c'est une voix qui fait aussi une voix dans le jeu, je pense. Je crois qu'il est pas libéré, les gars. La fête commence à peine, merde. Tiens. Yes. Ouais, il est en français, je te l'enverrai si tu veux. Faut qu'on trouve un moyen pour te l'envoyer. Si t'as un site pour... pour que je te transfère les dossiers, y a aucun souci. Mais franchement, la série, par contre, c'est 21h, 60 épisodes, tu vois, ça va te plaire, pote. Et en plus, je me suis cassé le cul à te mettre les petites images des albums et tout et tout. Hein. Et j'ai mis. Attends, on va faire un test. Hein. Ok, donc c'est chaud. Et mon gars, c'est chaud de ouf. Voilà. Voilà. Et c'est chaud. Petit Google Drive, non? Ah ouais, petit Google Drive. Pareil, je suis pas fortiste des étagères. Laisse tomber, c'est tellement satisfaisant ce jeu. Petite baloute dans la tête toute. Et hop, c'est réglé. Ouais, stonteux. Stonteux. Je t'enverrai ça après le stream. Mais je pense que je demanderai aussi aux autres si. Ah, mes armes. Et... Par contre non, je veux ma calache moi. Ouais non. Je file ma calache.
Ah. Oh deck. Eh mon gars, mais l'infiltration, j'adore l'infiltration dans les métros. Et je pense que là, vu que je suis en mode survie, Ranger 1. Ah oui, parce que j'ai pas dit, hein. Je suis en Ranger 1. Et c'est la grosse foreuse qui m'a dit, eh vas-y, on fait ça en Ranger 1, ça va être drôle, hein. Ce passage est trop long. Non mais... Mais putain de merde, je veux mes armes, moi. Je peux pas récupérer mes armes. Et mec, en Ranger, t'as pas les interfaces et tout, mec, c'est chaud. C'est en allemand, ça? Ah non, c'est en russe. Hé, c'est moué. Momo B4, on peut récupérer nos armes, non, en ce moment. Bon, tant pis. Pas de souvenirs. Super. Enfin, dans le carton, quoi. Je te provoque. Eh hey, oh. Ah, petite cinématique. Doucement, je te spoil. Je m'en fous, j'ai déjà fait le jeu. Pourrait s'intituler L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Cet ami, c'est Pavel. Il dirige une équipe de reconnaissance. Ah, ça, parce que je m'en souviens de la trahison dans le bordel. Hein. Ça, il me bourre la gueule, puis il me trahit, il me met un petit doigt dans le cul. Allez, t'inquiète pas. Petit doigt dans le pétou. Par contre, j'entends pas du tout Artyom. La musique, elle gueule beaucoup trop fort. Pavel, Pavel, ami. Alors, comment ça va, mon vieux? Si, si. Oh, pas étonnant que tu sois Ranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pourquoi appelle Nick Nick? Il y a mon Google de mon téléphone, il a appelé, il veut appeler Nick Nick. Nick Nick, qu'est-ce que tu fais à mon téléphone? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ok, Google. Attends. Fais-moi une blague. Mais tu marches pas ou quoi? Plaisir de vous rendre. Non mais, ni con. Fais-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Quel est l'animal préféré des ordinateurs? La souris. Bon. On y retourne. Parce qu'on rigole, hein. Tout que franchement, tout le monde est mort de rire là. Je vous sens un peu fébrile. Ah oh merde, mon chat. Nick Nick pleure. Le bruit nul, ouais. Mais mec, il y a du budget sur les vannes. J'avais vu une interview, j'ai rigolé. Mais et pourtant, j'ai l'humour facile, hein, Benoît. Franchement, j'ai les blagues faciles, les blagues à la con. T'inquiète pas. Mais là, franchement, c'est déconné, quoi. Superman. Ils disent quoi? Swat, Swart, Swart. Sécurité, dégagez. Et tu remarques pas que c'est les seuls qui ont pas de bandeau au bras? Enfin, moi ça m'aurait choqué, quoi. Putain, tous ces jeunes habillés en cuir noir. Pff, avec leurs bottes de combat. Et c'est parce que ça m'a surpris. Eh, le petit, ça t'a fait rire? Mais D6 a été saisi et est occupé par Spark. C'est du peu. Qu'est-ce que tu veux? Une évasion! Putain, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que vous fichez là? Rattrapez-les! Du coup, si je les libérais pas, on était tranquille, hein? Je te fuis. Pourquoi j'ai pas de gun, moi? Fais mon gun. Aïe! Il y a quelque chose qui m'a piqué!
Je vais, mec. On tire. Aïe, aïe, aïe. Putain. Dans le cul. Hop. Mais je suis bien, mais c'est Pavel le héros en fait. Putain, mais moi je joue Pavel. C'est pas dans Tais-toi, mec. T'es sérieux, BK? C'est dans. Allez, Forrest Gump. Quelque chose qui m'a piqué, c'est dans Forrest Gump, mec. Oh, il prie. Mon mauvais, ouais, très mauvais. Chaud. Chaud, cacahuète, chaud, cacahuète. C'est tout ce que vous avez. Pavel, il joue un meilleur jeu que toi, héros. Maintenant, je dois informer l'ordre que le sombre a disparu. Ce qui signifie admettre que j'ai échoué dans ma mission. Et ça s'appelle admettre ses torts dans une entreprise, normalement, c'est ok, même dans l'armée, en soi. On peut se voir. Ah, c'est une sorte de Yakuza. Les Yakuza, là, j'avoue, c'est chaud. Le QG de l'ordre. T'arrives vers ton boss, qui est déjà un chinois de 120 kilos, qui même s'il fait 100, enfin 120 kilos, encore c'est les petits gabarits, 150, 160 kilos pour les big gabarits de base, quoi, le modèle de base. Et tu viens, tu vas, il fait ouais, Changping, j'ai raté ma mission, mon gars. Wow! Oh, on dirait qu'on les a perdus. On ferait bien d'aller vite fait au théâtre. Y'a pas d'autre endroit où aller, hein, mon vieux. Est-ce que ça va, mon vieux? Super. L'armure est d'enfer. Merde. Un cul-de-sac. Tiens bon. Ouais. Alors toi, t'es con, mais jusqu'au bout, hein. Terminus, hein. Terminus, hein, trop marrant. Fais chier. On continue à pied. Faut que tu me suives. Oh, mec, c'est trop stylé. Mon nom doit... Mec... En vrai, le jeu, il est méga beau encore. Je me souviens pas d'avoir vu ce tunnel sur une carte. Ouf, on est encore sur le terrain du Reich. Faut faire gaffe. J'ai encore des restes, hein, des petits souvenirs. Oh, des munitions et tout, ça c'est parfait. Par contre, le fait que je vois pas mes munitions, ça va me stresser. J'arrive. Oh là, oh, mais quel gonzesse. Voilà. Je vois pas mes munitions ni rien et ça va vraiment commencer à me stresser. Hein. Putain, mais Taras. J'arrive. Je peux pisser. Bon. Ah, ça c'est bon. Oh, c'est dégueu. On dirait de la mousse expansive. Un petit peu, non? Ça le fait qu'à moi, ça? Alors toi, tu me dis encore un truc, je suis toujours au théâtre, je te le fous au cul. C'est que le jeu était ouf à l'époque, surtout que, connaissant les soucis de la production. Ouais, ouais. C'était la merde de ouf en plus. Ok. Attends ici pendant que je regarde. Évidemment. Hey, un espion, attrapez-le. C'est un putain de ninja. Emmenons-le au poste de garde. Et si tu n'étais pas tout seul? Attention, deuxième poste de garde. Vérifiez votre section du tunnel. On a chopé un rat dans les conduits. Okay. Ça va être chaud. Ouais, le jeu, je le trouve magnifique. Il est encore super beau. Mais après, il est pas si. S'il est quand même vieux, il a quel âge? Last Light, il a quel âge? Comme je disais tout à l'heure, je crois que 2033, il a 10 ans. Il doit avoir 5 ans, lui, non? Quel putain de bordel! Un rat communiste trouvé dans nos tunnels! C'est pas à son sujet que je m'inquiète. Ouais. Qui sait combien de ces fumiers se plantent encore dans l'ombre? Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les. Voilà, quel rat communiste. Ça, je veux bien. Tac. Il a 7 ans, putain, la slide. Et B. Eh ben, mec, en vrai, il a pas tant vieilli que ça, hein, je trouve, pour ma part. Donc ça, c'est mes munitions dorées. Faut bien que je fasse gaffe.
ce que je fais à chaque début de métro, je regarde la gueule des culs de douille. Parce que à chaque fois, ça m'arrivera sans doute dans un des streams de métro, parce que ça m'arrive absolument à chaque fois que je joue à un métro, c'est que tu tires, monsieur s'emballe, et à force de s'emballer, bah monsieur tire des balles, de combat, qui coûte une blinde. Je kiffe ce passage. C'est quand tu es nazi, ça. C'est pas ça. Attends, mec, c'est là que. Et merde. Ouga. Il est pas exempt de bug. On va faire. Manque de sommeil me fait délirer. Hop. Tac. Petite patate dans le cul. Je préfère le moment où tu tues les rouges par contre. Bah tiens. Comme par hasard. Alors lui mec, ta petite tête de lard, ça va être ta fête. Hop, on prend tout. On y a, ça va, c'est la razzia, voilà. Mais en vrai les rouges c'est des gros enculés dans celui-là, enfin. Ouais, non, je dirais pas la suite de cette phrase parce que sinon je vais me faire des ennemis et tout. J'allais dire comme en vrai, mais. Ça fait des magots. On recule moi deux sisters. Hein? Hey, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vais couper cette putain. J'ai déconné, point de contrôle. Parce qu'ils commencent tous à se douter d'un truc, ça veut dire. C'était mon imagination en fait. C'est ça c'est qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Eh merde. Ils commencent tous à s'énerver. Bon, faut y aller calmement. Donc, dans les infiltrations sont carrément plus dures que. Qu'en normal ou en difficile. Ok. Que le temps passe et que beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps s'est écoulé. Parce qu'on fait le bilan calmement et on serait mort, remémore toujours sur le castan. Ouh. Ce qu'on dépend. Attends, c'est qu'ils sont. C'est qu'ils sont dépend comme il faut. Mais putain. C'est des putains d'enculés, ok. Mais c'est tous, hein. Tous, absolument tous, c'est des gros enculés. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Police, à la limite. Et encore. Dans le livre, ça reste quand même des enculés. Les Spartiates, c'est les seuls qui valent le coup. Et toujours... Des pains, ok. Ça reste des enculés, mais moins. Il y a une échelle d'enculade, et disons qu'ils seront pas au-dessus, quoi. J'ai tenté, ça a pas marché. Ah, la Honza, mec, les Honza, c'est les plus gros enculés de la Terre, mec. Ils manipulent les populations, ils surtaxent les petits trucs pour qu'ils les rejoignent. Non, c'est des enculés, mec, la Honza. Oh,
Hop, excusez-moi. La Hanza, ils sont... Ah, la Hanza, ouais, mec. C'est des malinous, hein, les Hanza, mec. Ils te la font à l'envers, mais t'inquiète pas, tu t'en rendras jamais compte. Hein. Et bien, ça fatigue chez les nazis. Oh, oui, t'as vu cette dextérité. Le truc, c'est que mec, j'ai aucune interface et j'avoue, c'est la première fois que je joue sans interface du tout. Et le jeu est carrément plus chaud, même si, mec, l'immersion elle est à fond là. J'ai jamais été aussi immersé. Je sais pas, mais c'est pas moi. Je crois que les trois ils vont être vénères. Vous voulez pas reprendre un peu de thé? De VDNGH? Il est super bon, voilà. Voilà, il est mortel. Et merde. Espérant qu'il fasse pas de tour de ronde. Ça, j'en ai buté deux. Deux. Il n'y en a plus qu'un là. J'ai tout sur son set. Alors ça, c'est problématique. Non, ça c'est... Non, ça va tirer au bout d'un moment. Attendez, hein. Eh, merde. Ouais, mec, le clic... Ah, mec. Oh. Tu sais que ça, c'est vraiment des PTSD qu'on a eu sur les urgences. Moi et Momo. Momo, il se souvient des clics-clics. Les clics-clics et les bip-bip dans... Insurgent City Sandstorm, c'est jamais bon, quoi. Parce que généralement, quand ça fait clic-clic-clic-clic-clic, c'est que t'es en situation de panique, vu que tu veux buter un gars. Je le bute et en plus, je l'assomme. Enfin, à mon avis, il est mort, vu le craquage. Je l'assomme et en plus, je lui mets un coup de poing dans le cul. Quoi. C'est n'importe quoi. Ah, tes souhaits. Merde, je vais faire peur. Hop, en cul. Et une surgence, il est cool. Faudrait que je m'y remette un peu. J'avoue qu'en ce moment, je joue pas trop. Je joue à Endless Space 2. Endless Space 2. Enfin, j'ai jamais su comment prononcer ce jeu de merde. Il est assez cool. Je le préfère au 1 même. J'ai eu un peu de mal à commencer, mais il est très cool et beaucoup plus. Au final, c'est un peu beaucoup plus dur. Faudrait que je retente, ouais, parce que je sais pas s'ils ont modifié des trucs. Ils ont dû modifier full truc, hein, en vrai. Mais c'est vrai qu'il est cool, putain, il est sur le Sandstorm. Bon, attends, je prends plus de riz, je le déglingue. Je lui déglingue! Jamais fait un Death Space. Il est très cool. Faut aimer la gestion. Hein. Y'a personne, hein! Non, mais c'est une maladie, ils ont un rhume, ils ont dit. J'espère que j'ai pas chopé la crève. Ils l'ont sûrement chopé. Ah merde. Insurgency, y'a des nouvelles maps et des armes. Ah, c'est cool ça! Non, tu déconnes. Ça t'a les coronavirus, hein! Pas chaud, hein! Absolument rien. Tac, ouais. On est à combien? Et je crois qu'on peut fêter ça aujourd'hui sur mon stream, mais je crois qu'on a atteint le score de 10 000 contaminés, hein, avec le Jupiler virus là. Tu sais que t'as un panneau pour éteindre toutes les lumières de la zone? Où ça? Si c'est le petit point rouge, t'explose. Il est où le panneau? Oh B. Non, moi c'est panneau. Il est où le panneau? Jupiler virus. Il est où le panneau? Ben vous l'avez tous vu? Et ben à l'étage, faut que je monte. Pour monter, faut que je passe par là.
Tu crois que si je passe là, ça passe? Ils sont assez cons? Je suis un rat. Putain. Attends. Faut que je réfléchis. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. J'avoue que ça commence un peu à me pomponner la fille de continuer en boucle cette mission. Personne. Et merde. Je crois que tu peux monter sans passer par l'escalier. En plus, le point de contrôle, il est mal mis. Attends, est-ce que je peux sauvegarder moi? Je sais même pas si je peux sauvegarder moi. Genre, attends, on va vérifier. Je vais me foutre là. Tac. Mais là bientôt je vais refaire Dishonored. Et tu sais que j'ai jamais fait. Il faudrait vraiment que je le fasse un jour. Dishonored. Faudrait vraiment que je le fasse. Parce qu'il a l'air très cool. Et c'est vrai que je m'y suis jamais mis. Je sais. Je pense que je l'ai. Je pense qu'on me l'avait offert. Je suis même pas sûr. Non c'était pas ça. C'était Styx qu'on m'avait offert, je crois. Enfin que Yadar peut-être m'avait offert. Et que j'avais fait et qui était cool. Mais Dishonored je l'ai jamais fait. C'est un de mes jeux préférés. Bah écoute, je te fais confiance. B4, je vais peut-être. C'est par là. Enfin, je sais pas si c'est par là. Je pense pas. Par là, peut-être. Attends, faut réfléchir. Faut réfléchir 2 minutes. Hop. Je pense pas qu'il y ait d'autres moyens pour monter. Je te fais confiance, Bekat, donc je vais peut-être me le prendre, surtout que là j'ai un peu de thunes. Donc peut-être me faire ce petit cadeau. Enfin, je veux déjà voir si je l'ai pas. Je regarde ça. Dis. Attends, je vais regarder, hein. Ça prend 10 secondes. Dis. J'ai écrit Dinosaure. Non, je l'ai pas, Dishonored. Ah, par là. Ah. Poléon, il y a peut-être un truc là. Poléon. Ça sent quelque chose, mais ça sent bon. Et les gars, moi je vous le dis. Ça me fait peur, j'ai toujours l'impression que c'est un mec alors que pas du tout. Ça, j'ai rien fait. Non, pas. Je vous déteste tous. J'espère qu'on va tous crever du coronavirus. Bah écoute, j'ai un plan. Mais ils m'ont vu? Non, ils m'ont pas vu. Si, ils m'ont vu. Non, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Y'a rien, ils vont se détendre. Allez, détendez-vous les mecs. Oh les gars. Oh les racistes. Tu es cupide. T'as vu le nombre de gars qu'il y a? T'as vu ou pas? C'est chaud un peu, non? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Rien. Et maintenant, on avance. Ouais, et prudence. Attention. Et que dalle. Oui, il a perdu. Merde. Putain, il m'en met. Oh le.
cartouche réflexe, quoi. On dirait une des miennes, quoi. Non, ça prend pas mettre du tout mes sauvegardes. Ça commence à me saouler un peu. Écoute, je vais faire ça. Je vais buter les deux gars là. Attends un peu. Mais je sais pas pourquoi ils sont vénères cette fois-ci. Faut que je me grouille. Je lâche des caisses, mon gars. Et maintenant, il va au barbecue. Voilà. Et merde, mais pourquoi il va au barbecue lui maintenant? Putain! Terling, Steam? Je crois, ouais. Pour éviter qu'on m'emmerde pendant le stream, en général. Comme ça s'est fait, ça m'a saoulé. Pas bête, bah ouais. Ouais, je sais. Puis les éclairs de génie, comme ça que j'ai. Je vais attendre que lui, il soit bien dans le coin. Pour le fumex. J'aimerais bien me choper un coco et découvrir ce que Magou s'y enfoiré. Ah, ça me défoulerait. Tiens. Hey, qui va là? Tu m'as vu? Arrête. C'est le vent, non? Oh merde. Qui est là? Faut que j'aille vérifier. Oh, tu parles d'une corvée. Il va être 10 ans à descendre, oh là. Attends, tu fumais deux clopes, moi. Je ferais bien d'aller vérifier quelqu'un, en fait. Eh, mais c'est tendax, c'est un nazi, en fait. C'est vraiment super tendu, en fait. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, il vous nique volant. Ça me plairait pas. Isaac. Oh, mec, je crois qu'il y a un gars à côté de lui, mais sinon, je l'aurais fait. C'est bon, il se détend. On respire. Oui, je parle plus là, laisse tomber. Quoi. Je suis en état de stress intense. Putain. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est un connard. Bon. Le panneau. On aurait dit que c'était pas les rats. Yo ton putain de panneau de merde. Et chier. J'ai quand même pas de mon imagination en fait. Ouais, c'est ton imagination. Qu'est-ce qui... Merde. Bon, tant pis, on y va à l'ancienne. Ça me saoule. Résistant lui. Hop, tac. Il y en a pas une qui est, un qui a une calache, putain. Vous avez tous des armes pourraves. Du coup, t'es sûr de pas avoir Dishonored, popo? Ouais, non, j'ai pas. Donc quoi, tu veux me l'offrir? Non, arrête de déconner, mec, garde ta thune. Oh, des clés. Ah, c'est pour les coffres. Oh, il y a encore. Oh, j'avais oublié les coffres. Oh, heureusement que je trouve des clés. Tu fais chier, mec. C'est super gentil, mais t'es casse-couille. Je t'aime, putain.
Tiens, faut que je te parle d'un truc après, B4. Essaye de me rappeler. Je te parlerai d'un truc après. Peut-être qu'on pourra se voir prochainement. Franchement, ça va, il est à 20. Ouais, mec, 20 balles. C'est ce que c'est, 20 balles? Alors, 20 balles, c'est deux fricadelles XXL, mec, avec deux mitraillettes complètes. Avec supplément fromage. Oh, ouais, ouais. Bah, peut-être sur le retour de Nantes, je pense. Comme il y a une escale à Paris, peut-être rester un jour de plus, tu vois. Et puis, on peut se faire une petite bouffe, une petite soirée, enfin, je sais pas. Enfin, on verra, on va négocier ça. Oh la vache, la rame! Oh la vache, trop stylé! Au carré! Quoi? Je suis désolé. Hein. Trop lent. C'est quoi qu'il dit? En plus, c'est un connard d'officier, c'est bon. Même pas les officiers, il est con. Dis le mec qui va faire sous-officier. Bah ouais, carrément, tiens mon jus. Bah ouais, vu que j'ai la thune pour m'acheter mes billets et que t'es là, je me suis dit pourquoi pas. Aller revoir les potes sur Paris, se faire un petit truc. Petite bouffe. On va manger le croissant, le baguette, visiter la tour Eiffel, le moulin rouge. Je me suis paumé dans... Ah bah, mec... Il n'y a pas plus visible que ça et je me suis paumé quoi. Visiter le moulin rouge. Les Champs-Élysées. Les gilets jaunes. Les CRS. Pavel va sûrement être pendu. Qui sait ce qui me serait arrivé s'il ne m'avait pas libéré. Rouge. Et franchement, moi, d'une seule main, je me les prenais toute la station. J'avais pas besoin de Pavel. Ça n'arrive pas souvent dans le métro. Je ne peux pas le laisser tomber. Les bat-mouches. J'aime le gilet jaune de la France. C'était quoi encore qu'il disait Dieudonné? C'est la maison de la mouche. Ah, les yeux des... Artyom, ta gueule. Je savais que tu m'abandonnerais pas. T'es un vrai camarade. Je te dois une fière chandelle. Allez, on met sa bouche. Ils viennent s'occuper de moi. Tu veux m'emmener, lui? Tu es mon seul espoir! Allez, ramène ton cul ici, sale rat communiste! Tu veux mes cuits? Bon, ils sont où les noirs? On avait dit quoi, la foreuse? Ouais, ces enculés. Bah après oui, c'est des nazis. Bon d'accord. Mais bon, un peu de respect, non? Je sais pas. Pas obligé d'insulter sa mère de pute. Non, on avait dit les Homonova. Les hommes. Ouais. C'est ça comment ils s'appellent? Je sais plus. Bien, on est d'accord. Personne paye sur ton trésor. Non, t'as monté Yulani. Pourquoi j'ai ça en tête, moi? Tu parles. Je vous avais dit. Homonovus. Mauvais fan. Ah oui, j'ai dit Homonova. Il était utile, même si c'était un monstre. Quand on aura voté le coup de la. Alors là, je suis bon. Hein. Je suis ok. Je pille les cadavres et puis on y va. Hein. Hop. Homonovus. Et je suis pas si fan que ça, mais j'ai pas lu 2034 ni 2035, moi, monsieur. Peut-être que je le fasse d'ailleurs, on sait qu'il y a...
Et tu sais que j'ai appris que le 2034, il y avait pas Artyom dedans, j'étais sur le cul. Il fait où? Arrête. Ça va à quoi je coupe tout en fait? Vu que le système électrique est déjà en panne. J'ai juste buté pour rien? Comme un gros. Un gros enculé? Qu'est-ce que... Tiens! Tu vas pas voler celle-là! Putain, en train de gerber, c'est dégueulasse! Salut! Deuil! Bah c'est quoi le livre audio que t'as? C'est Métro 2033? C'est pas 2034 ni 2035, c'est 2033? C'est un livre audio, hein! Je suis pas tapé toute la série. Qui est là? Tire pas, vieux! Prends tout ce que tu veux, mais me tue pas! J'ai fait le but, là. Me tuez pas, pitié! Mais c'est bon! Ils s'acharnent sur l'un des leurs, les fumiers! Le livre audio, ouais, c'est de Métro 2033. Les hommes sont pires que des bêtes. Qu'est-ce qu'il m'a... Qu'est-ce qu'il m'a... Je sais rien, moi. C'est cochon, ouais. Comme tout le métro. Ah oui, Dak. Tu vas super bien, Dak. Là, j'ai 30 minutes pour tous les fumax. T'as entendu ça? On est encore en alerte. Tu pourrais au moins préparer ton flingue. J'ai mon flingue dans mon fut pendant que le tien est au bordel. Je peux pas prendre. Mais ton flingue va vachement t'aider quand les rouges viendront te chercher. C'était quoi ça? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ça le bridera. Ah ouais, c'est les concerts. Hein. Ah, j'ai full munitions, je suis content. Imagination. Et ce que je disais tout à l'heure quand t'étais pas là, Mekat, c'est que je trouve que le jeu a bien transcrit l'effet ragotage du bouquin. Tu sais, dans le bouquin, tu sens que le métro il tourne grâce au ragot. Quoi. Les gens ne se nourrissent que de ragots et tout ça. Et je trouve qu'il est assez bien retransmis dans Métro, dans les jeux Métro. Et même tout ce qui est scénario, enfin scénarii même. De métro des jeux est assez cool, je trouve. Je vais pas assez vite. Y'a pas de parano. Ah, franchement, dans l'omoplate, c'est dégueulasse. Hop. Tout est parfait. Ouais, tout est parfait. Franchement. Il n'y a aucun sous-saï. Non mais le lore, l'univers, les personnages, tout est super bien écrit et saisissant. Ouais, c'est tu t'accroches au lore, mon gars, mais comme si t'étais une sangsue. Eh, franchement, c'est pas une belle mort sur le canapé. Je suis à fond sur la ville en fait. Alors. Je suis visible. Je suis visible. On me voit un peu. Je suis désolé poteau. Mais ça. Dans Exodus, je l'ai découvert, et dans Exodus... Ouais, alors... Mais oh, j'ai pas fait exprès de tirer, hein. je précise. Hein. Voilà. Eh, super cool cet arme, ouais. Ta gueule. Mais je devrais y emmener mon fils. Fais des conneries à
Je vais le montrer. Comment il s'appelle? Ah, je pensais qu'il s'appelle Philippe Andry. Et je trouve ça rigolo. Ouais. Il y avait quoi? J'ai pas vu. J'ai tout piqué. Va à gauche, t'as nos... Bah voilà. Et il y avait quoi sur l'ours? Du coup, parce que j'ai pas fait gaffe. Eh bien. Attention, la compagnie. Et merde, putain. Des munitions qui permettent d'atteindre une convention. Hein? Des munitions, mais ça te permet d'avoir et d'avoir un good point. Ah ok. Ouais, écoutez les conversations, ça te donne des points supplémentaires, je crois, pour la fin du jeu, c'est ça, B4? Dans mes souvenirs. Mes souvenirs, c'était ça. Hop. Du coup, ça, on remplace. Je crois que je vais remplacer par le gun. Voilà. Carrément. La gestion de la ligne rouge débute aujourd'hui. Tous les citoyens du rail sont disponibles, sont encouragés à y assister. Est-ce que tu l'as fait? Il paraît qu'il va le prendre. J'ai assez vu d'exécution comme ça. Ouais, effectivement, c'est des munitions de pistolet, je crois. Puis des conneries à l'école. Je vais lui montrer ce qui attend les mauvais élèves. Et s'ils épargnaient leur monde et qu'ils l'envoyaient creuser des tunnels? Dans tes rêves, la corde est déjà prête. Ça pour toi, toi, regarder une maison. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon, il ne voit plus. Plus. Alors. Rien que de revoir jouer là, ça me fait trop envie. Ben en fait moi je kiffe de ouf là. Franchement, j'adore ce jeu. J'adore ces jeux, putain, parce qu'ils sont tous super cool. Là, j'ai pas fait le DLC non plus. Peut-être me le prendre. Et du coup je t'ai pas dit merci en fait, B4, comme un gros crevard que je suis. Parce que tu m'as offert. Oh putain oui. Popo, enjoy le meilleur jeu avec ses DLC. Oh mec, la totale. Des bisous, régale-toi. B4. Merci mec. Putain mec. Ce gars nous tuera tous de sa gentillesse. Et de sa croix. Si t'as Redux, t'as déjà les DLC, je crois. Ah, cool. T'es un amour mec. T'es vraiment un amour. Pas vu. qui est. Hop. Je sais pas ce que je prends du coup, mais je les prends. Mec, je pense que si j'avais pas été en ranger, j'aurais foncé pas dans le tas, mais j'aurais même en discret, j'aurais buté tout le monde, quoi, essayé de buter tout le monde. Histoire et deux DLC sont trop bien. Et les DLC de Metro Exodus, ils font quoi en fait? Ils rajoutent quoi? Ils parlent de quoi? Parce que tu viens de m'apprendre qu'il y a des DLC. Hein. Ils rajoutent un truc spécial au lore ou... Dans l'un où tu joues un nazi. T'en as plusieurs dans l'un où tu joues un nazi. Putain, mec.
Ils ont dû se chier dessus quand il est sorti lui. Où t'es Anna qui snipe pour Sparte. Ok. Mais c'est cool ça. C'est plutôt sympa. Franchement, il se fait péter la gueule de l'autre côté. Il chante l'international. C'est la lutte finale. Bourrons-nous et demain les eaux minérales se changeront en vin. Apparemment, elles sont très cool, mais je les ai jamais fait. Ben, moi non plus. Et du coup, je pense que je les ferai peut-être en stream pour voir ce que ça donne dès que j'aurai fini le jeu. Mais là, je pense que j'en ai pour quelques streams avant de le finir. Notre bon vieux pépère. Oh, on va mon nom. T'es au début milieu du jeu. Non, pas du tout, je suis pas du tout au milieu du jeu là. Je fous de ma gueule, j'y ai joué une heure et demie. Ouais, c'est chaud. Plus début quoi, ouais, mais je suis pas du tout mieux quoi, je pense. Allons-y, ça va se transformer en Stalingrad dans quoi ? Comme par hasard. Et maintenant c'est Volgograd, hein, coucou. Enfin, maintenant. Enfin, tu m'as compris. Ah ! Et merde, comme par hasard. Ah, ça il est cool. Je suis rentré dans la porte, mais c'est pas grave. J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Je pense que je vais m'arrêter là. T'as un beau stream déjà. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. De quoi ? Je n'y ai jamais mis les pieds. Et sans mon Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Pétersbourg, mais... attends, c'est chemin. Volgograd, hein, je crois, Stalingrad, mec. Wow, c'est au bord de la Volga. Ça me paraît logique. Je pense qu'on va se laisser ici. Hop. Eh, ça va être chaud de pas y jouer, en fait. je déconne avec ça, mais ça va être chaud de pas y jouer. Attends, tu te fous de ma gueule, mec. Mec, attends. Stalingrad. Non mais maintenant. Stalingrad. Mec, Stalingrad, ville russe, Volgograd. Volgograd, anciennement appelée Tsaritsyn, puis Stalingrad, est une ville de l'ouest de la Russie, capitale administrative de l'oblast de Volgograd. Alors mon gars. Alors, Dub. Bon, on va essayer de trouver une petite... Ah bah tiens mec, je vais vous mettre cette magnifique musique. Et puis je vous... On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, c'était un stream fort sympathique. Riche en rebondissements et en compliments. Ça ne veut rien dire. Merci les gars. Demain, il y a un stream. Alors, c'est encore en négociation, donc je ferme ma gueule. Donc voilà. Et dimanche, il y a un truc aussi, mais je sais pas si tu peux le dire, donc je ferme ma gueule aussi. Donc il y a quand même des streams ce week-end, normalement. Merci à vous, les gars, d'être restés. Je vous laisse avec la plus belle musique de cette planète. Et je vous dis à demain, à ce soir, à jamais. Bisous. Aïe, 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 ouïe, ouïe, plein comme une embrouille. Plus haut du rond.
robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Ouïouïouï, plein comme une andouille. En revenant du match, Anderlecht et Standard, on est resté collé à un comptoir. Comme on l'avait perdu et que ça n'avait plus, on a bu pour chasser le cafard. Oui, mais quelqu'un a dit, le sporting c'est fini. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai bondi. Le mec qui avait dit ça, voyant que ça tournait mal, a dit j'ai payé une tournée générale. Après une demi-heure, on est allé ailleurs dans un bistrot juste en face de la gare. Une fille était au bar, un petit air bizarre, avec des yeux comme des antibrouillards. Et avec sa copine qui s'appelait Joséphine, on a vidé deux, trois bouteilles de gin. Au moment de payer et de sortir sa galette, on s'est caché dans les water-closettes. Aïe aïe aïe, ouï ouï ouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit air, car on est en vadrouille. Ouï ouï ouï, plein comme une andouille. Hé, hey, Jeff, est-ce que t'as de l'argent sur toi? Ben, 200 francs. Quoi? 200 francs? Mais on a au moins pour 3000 balles ici. 3000 balles? Est-ce que c'est toi qui vas expliquer qu'on n'a pas un radis? Moi? À ton avis, dis-le toi, les femmes c'est ton rayon, hein, dis. Madame, il y a un petit problème ici. On n'est que deux pauvres travailleurs qui voulaient faire un dick et neck. Et c'était pour demander si on pouvait faire du... pouf. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment va ma sœur? Bien, merci. Oui, elle a sûrement pas compris. Aïe aïe aïe, ouï ouï ouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Ouï ouï ouï, plein comme une andouille. Tout est arrangé, vite hors de ce café. Si on court, on sera vite derrière le coin. On se croyait peinard quand un grand malabar nous a foutu son poing sur le cigare. Ouï ouï ouï, et moi j'ai encaissé un coup de poing sur le nez, mes fausses dents jouaient les castagnettes. Ma cravate arrachée, mon froc tout déchiré, j'avais des trous comme ça dans mes chaussettes. Aïe aïe aïe, ouïouïouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore